They're the best. They're the Don't stop. Don't stop. They're the best. they Got gun. Hulk left. Slat. Dixie left. Key left. Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha. Who's going? Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Don't stop. To Donnie Avery. Go. Touchdown! 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 Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 408. Raoul Villeroy au micro, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, épisode très spécial de preview du Super Bowl, donc équipe ultra renforcée. Je suis accompagné par pas moins de trois chroniqueurs, ils sont tous là. Grégory Richard d'abord, salut Greg. Salut Raoul et bonjour à tous. Raphaël Masmejean est là aussi, et Raph. Salut à tous. Et évidemment, notre gourou Alain Matéi, qui a aujourd'hui la double casquette chroniqueur ingénieur du son, est là. Salut Alain Bonjour Raoul, je, je, je prie les esprits de la connexion pour que ça tienne à 4. <laughs> ouais, on espère, on va voir comment on s'en sort. C'est la première fois, je crois, qu'on fait ça à 4, mais c'est une bonne idée. On va bien, bien s'amuser, bien sûr. Je l'ai dit, épisode spécial, puisque c'est la grande preview de l'année, la preview du... Super Bowl. On connaît l'affiche. Les Chiefs affronteront les Buccaneers à Tampa Bay. C'est une première dans l'histoire, vous le savez. Euh, à quoi doit-on s'attendre Quand les Chiefs sont la balle, quand les Bucks sont la balle Quelles sont les clés du match Quels seront nos pronostics Très important. Gros programme pour cet épisode, messieurs. Si vous êtes prêts, je laisse Alain lancer le générique et c'est parti. Uh, playoffs Don't talk about playoffs. You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game. Messieurs, on va commencer. Euh, D'abord, j'aimerais qu'on s'extasie un petit peu quand même, parce qu'on a quand même une affiche de rêve euh, qui va arriver. En l'occurrence, les deux derniers quarterbacks vainqueurs du Super Bowl qui s'affrontent, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. Euh, la première fois que deux quarterbacks MVP de la saison et également d'un Super Bowl s'affrontent, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. Euh, deux des meilleurs quarterbacks avec les meilleurs pourcentages de victoires de l'histoire de, de la NFL le premier et le troisième en l'occurrence. C'est incroyable. Vraiment, réjouissons-nous de ce qui va euh, arriver ce dimanche, enfin dans la nuit de dimanche à lundi à minuit quarante. Euh, on a dit on commence par quand les Buccaneers ont ballon. Messieurs, quand les Buccaneers ont ballon, ça va évidemment euh, se focaliser autour de Tom Brady. Et prenons également un moment pour euh, relever l'écran. Exceptionnalité, je ne sais pas si ce mot existe, mais désormais c'est le cas, puisque tout ce que Tom Brady fait est à peu près exceptionnel. Dixième Super Bowl joué à 43 ans pour sa première année à Tampa, il brise la malédiction. C'est un truc de fou qui veut se lancer d'abord pour faire l'éloge de Tom Brady dans cette équipe de Brady haters, messieurs. Ouais, je sais pas, parce qu'on est des gros haters quand il s'agit de Tom Brady. Alors, je sais pas si... Bon, bah, il faut y aller quand même, non Dixième Super Bowl, euh, premier dans une nouvelle attaque, premier avec une nouvelle équipe. C'est le combien de à, à jouer un Super Bowl de, en quarterback titulaire avec deux équipes différentes Je crois que c'est le troisième ou quatrième. Il y avait eu euh, Manning ouais, et il y 3 en 3 avait 3. eu un ou deux autres. Manning a gagné avec les Warner, Warner, ouais, c'est vrai. Donc, ça, ça fait au moins le troisième. Non, mais c'est exceptionnel euh, ce qui fait, euh, que ce soit… Euh, encore une fois sur les résultats ou sur la manière parce qu'il a quand même pris en, en main cette attaque j'allais dire d'Arizona c'est Bruce Arians qui m'induit en erreur de cette attaque de Tampa en, en main assez rapidement il, il a vraiment adopté les idées de Bruce Arians maintenant il va vivre et mourir avec ça aussi je pense qu'il a accepté le déchet, les interceptions qui viennent de mm -hmm. temps en temps c'est plus le Brady de, de New England donc, euh, donc voilà c'est vraiment le, le point central en termes d'histoire de ce, de ce match euh, après il y a quand même des, des mecs en face et il y a des mecs autour de lui quand même qui sont, euh, qui sont oui. significatifs dans cette opposition. Tout à fait. Euh, Tampa Bay en quelques chiffres cette année en attaque c'est 384 yards gagnés en moyenne, 30,8 points marqués, tout de même, c'est pas mal. Euh, euh, seulement 17 pertes de balles, c'est assez honorable. Et pour Brady, 4633 yards lancés, 40 touchdowns et seulement 12 interceptions. Ça avance et ça avance parce qu'il est bien entouré, Grégory. Oui, il est bien entouré. Alors, par contre, sauf erreur de ma part, euh, Antonio Brand ne sera pas là dimanche. Il Je crois pourrait. Que il, il, il pourrait était... quand même. Ouais, il était plutôt optimiste aux dernières nouvelles D'accord, j'avais vu à haute, mais autant pour mm. moi. Alors, s'il si y a encore une possibilité, ce sera tant mieux pour Tampac. Il y a quand même, malgré tout, pas mal de menaces, en effet, à mettre à disposition du, du quarterback des Bucks. Euh, on l'a dit assez souvent. C'est vrai qu'il y a ce statut de numéro 1 de Mike Evans, mais on a vu que, par exemple, sur la dernière sortie, Chris Godwin avait été extrêmement précieux. On voit que sur certaines rencontres, Uh, Grandkowski uh, reste également une cible uh, très prisée uh, de Tom Brady. Uh, d'ailleurs, pour le coup, uh, faut quand même rappeler que ces deux équipes qui s'étaient affrontées en saison régulière du côté de ouais. Tom Bay, d'ailleurs. Semaine 12 euh, voilà, avec la victoire de Kansas City sur un match où Grandkowski avait quand même fait une assez bonne prestation avec plus de 100 yards au compteur. Je ne sais plus s'il a marqué un touchdown, il me semble pas. Mais en tout cas, oui, il y a en effet cette, cette profondeur et il y a cette capacité également à pouvoir utiliser un, un backfield assez fourni, notamment Ronald Jones. Même si c'est plus Leonard Fournette qu'on voit durant ces playoffs, mais plus Ronald Jones, on va dire dans, dans, le, côté, dans le côté aérien. Pour étirer justement suffisamment cette équipe de Kansas City et pouvoir éventuellement exploiter les espaces que les box auront à disposition. Donc, même si c'est du jeu, je ne vais pas dire caricatural, mais en tout cas très porté sur le jeu profond, il y a malgré tout les armes pour avoir un panel un peu plus varié et réussir à mettre en difficulté cette défense des Chiefs. Raphaël, euh, est-ce que justement ce n'est pas. Euh dangereux, entre guillemets, ce, ce jeu face à une défense des, des Chiefs qui, on l'a dit, n'est pas forcément la plus hermétique mais qui est opportuniste sur les, les pertes de balles provoquées. Ils en ont provoqué euh, cette année, j'avais le chiffre là sous les yeux, ils en ont provoqué 22, dont 6 interceptions pour Tyron Matthew. Est-ce que ce n'est pas un truc auquel il faudrait faire un peu gaffe si, si, forcément. Euh, C'est pour ça que ça va être un match-up vraiment très, très intéressant à ce niveau-là. C'est Comme vous l'avez dit, on a une attaque très portée vers le jeu en profondeur, la verticalité qui prend des risques et qui va le faire parce que c'est comme ça, c'est sa philosophie, donc elle va pas changer du tout au tout, tout euh, sur ce match euh, au dernier moment. Et face à elle, euh, tu l'as dit, tu as un backfield défensif, notamment avec Tyron Mathieu, qui à mon sens est peut-être un peu sous côté euh, dans, dans la ligue, ce, ce backfield défensif qui n'est pas le plus costaud, mais qui sait faire les big plays quand il faut, qui finalement est assez agressif et dur, dur sur l'homme. Enfin, je pense que du coup, les, les Chiefs ont une capacité avec Juan Tornil et Tyron Mathieu à bloquer la profondeur. N'ont pas eu peut-être les, les autres équipes qu'ils ont rencontré que les Tampa Bay a rencontré euh, en tout cas depuis le début des playoffs, donc euh, ça, ça va être un, un super match-up. Et puis un autre match-up intéressant en attaque, c'est quand même la ligne offensive de Tampa Bay qui est une des grandes satisfactions de l'équipe depuis le début de saison, qui est dans les top 5 euh, lignes offensives euh, de la saison, face à un pass rush euh, composé, alimenté par Chris Jones et Frank Clark qui eux ont commencé la saison un peu tranquillement comme des champions. Euh, j'y vais tranquille et qui depuis le début des playoffs sont en train tous les deux de monter bien en régime comme il faut donc ça ce match-up là aussi va être un... hyper intéressant parce que on l'a quand même vu euh, Tom Brady est un petit peu moins à l'aise euh, quand il est vraiment beaucoup beaucoup sous pression euh, et là on a deux mecs qui sont capables de le faire dirigés par un Steve Spagnuolo qui a rarement été aussi bon que quand il coachait contre Tom Brady ou en tout cas ses, ses plus grands faits d'armes sont peut-être à ce moment là donc euh, ça, ça, ça s'annonce explosif quoi Alain, vas-y, excuse-moi. Oui, non, excuse-moi, j'allais rebondir parce que Raphaël disait Steve Spagnolo. C'est vrai que pour ceux qui découvrent, parce que ça commence à remonter, les Giants, c'est 2008 et 2012. Il faut rappeler qu'en effet, les deux Super Bowls perdus contre les Giants pour les Patriots, c'est contre une défense menée par Steve Spagnolo. Sur le deuxième, j'ai un doute. Sur le deuxième, non, c'est plus lui. Autant pour moi. C'est Terry Fuel, je crois. autant pour moi. Bon, il en avait un. Du coup, ta relance, Raoul, ça allait être, pardon Oui, et ça allait être finalement, c'est un peu le. J'ai l'impression que tous les ans, vu que Tom Brady est tous les ans Super beau ou presque. Ouais. On dit euh, la, la, la manière de le contrer, sa kryptonite, c'est lui mettre la ouais. pression. Est-ce que Kansas City a de quoi le faire? Bah, ils ont des playmakers. Chris Jones, il peut mettre de la pression. Après, euh, c'est ce que disait Raphaël, la ligne des Buccaneers, on, a, on en a peu parlé parce qu'il y a tellement de stars partout, mais c'est une des grandes satisfactions. Et moi, un des mecs que, dont je pense qu'on ne l'a peut-être même pas assez mis en avant, euh, j'y pense parce qu'il y avait les, les papiers sur le site, là, sur les rookies offensifs de l'année. Euh, Tristan Wirth, quand même, euh, quand tu arrives et qu'on te dit, bon, écoute, mec, pas de pression, mais t'es notre premier choix de draft il faut que tu protèges le Hall of Famer qu'on vient de signer <laughs> parce qu'on joue le titre tout de suite, hein, accessoirement. Euh, ah, pas mal, quoi. le mec s'en est plutôt bien sorti et ça va être un des beaux facteurs X de Smash. ça va être de voir si Tristan Wirth met un beau point d'exclamation final à, à, sa, à sa saison, mais en effet, il y a du matos en face, Frank Clark, Chris Jones, après ça peut être aussi créatif avec Spagnolo en face, donc il va avoir du boulot, hein, Wirth et les autres, mmh. mais j'avais envie de mettre un, un petit coup de, de projecteur sur lui parce qu'il a quand même fait une très très belle saison pour le coup. Coup de projecteur ouais. mérité. Je, je, je rejoins Alain. Euh, une chose qui est quand même intéressante sur cette O-line des Buccaneers, alors on, on pourra dire la même chose avec les Chiefs tout à l'heure. Il y a une absence quand même, l'absence d'Alex Capa euh, sur l'intérieur de la ligne qui a dû être compensée notamment par le, par le renfort d'Aaron Stini, je crois, le, le numéro 64 qui n'a pas fait une rencontre catastrophique contre Greenway, mais qu'on a vu pas mal en difficulté quand même sur certaines séquences contre Kenny Clark. Et je rejoins un petit peu ce que disait du coup bah, Raph notamment tout à l'heure, le, le côté où on sait que Chris Jones notamment, puisqu'il a été un facteur déterminant l'année dernière en playoffs, euh, notamment sur les dernières rencontres de la saison, sur ce match-là, sur l'intérieur de la ligne, c'est peut-être là justement quand Sa City a un coup à jouer. Alors, certes, à côté, il y a Jensen et Marpet qui, euh, qui font une excellente saison, euh, notamment sur le, sur le pass pro, mais en tout cas, il y a peut-être de quoi exploiter les failles, surtout qu'on a une ligne défensive des Chiefs, en effet, qui, euh, au-delà de Chris Jones et de, et de Frank Clark, a quand même une rotation extrêmement intéressante. Il y a quelques rookies, notamment, je pense à, à Mike Dana, l'ancien de, de Michigan, Tertian Wharton également sur l'intérieur de la ligne, qui sont capables justement justement, de dépuiser un petit peu cette ligne offensive et de permettre, justement, sur certaines actions, alors ça peut être notamment sur des phases de blitz, hein. on sait que, par exemple, El Jariusnit, sur le backfield défensif, ça. aime bien blitzer de temps en temps. Donc, ça peut permettre, justement, de créer ces… Ces, ces, ces petites failles qui pourront également permettre de euh, au moment opportun, notamment éventuellement sur des troisièmes tentatives, de mettre le grappin sur Tom Brady, ce qui ne sera pas chose aisée en effet, euh, même si la line est assez intéressante. Juste pour compléter ce que je l'ai pas dit tout à l'heure, euh, Spanolo connaît bien Tom Brady. Il ne faut pas oublier que le coach de ligne défensive des Chiefs c'est Brandon Daly qui est notamment passé du côté des Patriots quelques saisons également. Donc euh, c'est pas forcément pour ça qu'il va connaître tous les points faibles de Brady. On va peut-être pas exagérer le propos, mais en tout cas voilà, il y a un duo de coach du côté de Kansas City qui sait à peu près appréhender comme il faut Tom Brady. Euh, encore faut-il après euh, réussir à maîtriser la line. Oui, je... penses... vas-y Raf. Ouais, ouais, non, du coup je rebondis. On va on va beaucoup rebondir, mais euh, sur, euh, sur cette histoire de ça va être vraiment assez intéressant sur l'histoire des, des Blitz notamment et comment euh, les Chiefs vont aller chercher euh, Tom Brady parce que, on l'a dit, Tom Brady a énormément de cibles en attaque donc a priori si tu lâches un Ladjarius Sneed ou un tyron Mathieu qui aussi a une capacité mmh. à mettre le quarterback adverse euh, au sol si tu l'envoies au blitz potentiellement ça veut dire que tu acceptes de couvrir une cible en moins du côté de, de Tampa Bay que tu prends mmh. ce risque donc il va falloir être très rapide à réussir et ce, vraiment cette capacité que les Chiefs vont potentiellement avoir à blitzer avant que Brady lance, euh, avec toutes ces cibles, ça, ça peut être, on y reviendra sur les clés du match, mais ça peut être vraiment euh, la clé, euh, vraiment des trucs très très costauds à suivre. Donc, euh, je pense qu'on a assez tous hâte ici. Mmh. Depuis tout à l'heure, j'essayais de galer une vanne sur la tribu de Dana avec Mac Dana, mais du coup c'est trop tard. On est d'accord. <laughs> On est d'accord. On a que... bien fait de t'arrêter. Alors c'était bien ouais. de ne pas te laisser. Euh... Super, merci, non, les gars Ça m'est venu. Je suis solidaire, Raoul. Et, et quand merci. il a dit Kappa aussi, parce que tout à l'heure il a dit Kappa a fait un match, qui a fait un match catastrophique. Je ne savais plus de quel joueur il parlait ou s'il avait mal placé. <laughs> quand il dit machin Kappa a fait une, un match catastrophique, je me dis ah, bah, est-ce oui. que Kappa a fait un match catastrophique mmh, ou c est c est son un... bon. nom ou son prénom. Ouais, bref. Voilà. Euh, pour finir avec cette ligne offensive quand même de Buccaneers, messieurs. Euh, il y a des joueurs au sol dont on n'a pas encore forcément parlé. Est-ce qu'ils euh, vont être euh, un soutien immanquable euh, un, un Est-ce qu'ils vont être plus là en renfort Et Quel peut être le rôle de, des coureurs côté Buccaneers Tiens, Alain. Bah, bah, mine de rien Fournette il a plus de 300 yards en 3 matchs sur les playoffs donc euh, il sert à quelque chose euh, et plus que pendant la saison régulière et plus qu'à Jacksonville ces deux dernières années euh, donc oh euh... <laughs> allez bisous à lui Ça un, petit peu, un petit peu hein. <laughs> donc euh, je, suis, je suis désolé mais Léonard Fournette il, il, ils étaient à moins de 100 yards au sol par match pendant la, la saison régulière les Buccaneers et ils sont passés au-dessus de 110 en playoffs ils sont à 115 euh, donc là pour le coup il y a un rôle hein, Fournette donc je l'ai dit il est 300 yards trois touches d'un aussi euh, pour, un, et, pour compléter ce que tu disais il n'avait plus à la barre des 50 yards je crois depuis la deuxième semaine de saison régulière contre les Panthers et il ouais, le fait bah quasiment voilà. à chaque match de playoff tu vois donc il euh, euh, y a ça et il y a Jones qui apporte une dimension un peu différente et avec un peu plus d'aérien. De, de, euh, donc ils ont ces deux-là pour le coup moi je trouve qu'ils ont quand même plus de jeu au sol euh, que quand ça se dit parce qu'on sait pas trop dans quel état sont Edward Zeller et, et les von Bell euh, donc clairement ça pour, ça peut être un des, des facteurs X de ce match. Euh, Raphaël parlait de battre le blitz à la passe. Après, il faut voir s'ils vont vouloir mettre une grosse dose de sol aussi pour euh, éventuellement faire des drives un peu plus longs ou pour varier un peu plus ou pour brouiller les pistes. Mais je trouve qu'ils ont peut-être un poil plus une capacité à brouiller les pistes que Kansas City sur leur stratégie offensive bien euh, je voulais bah, je pense qu'on a fait Raphaël pardon oui alors j'ai pas vos... ouais, alors, il faut <laughs> que j'arrive à bloquer vos toutes vos têtes parce que du coup j'ai que quand il y en a un qui parle alors vas-y affichage Grégory. galerie affichage galerie ah, oui, alors, je vais ju faire ça. juste avant qu'on passe à, à l'attaque des chiefs euh, pas sous-estimer aussi on sait que Brady il aime bien les petites passes en cloche notamment sur les positions Goline. line mm. Il me semble que les Bucks aiment beaucoup euh, intégrer des, des sixième linemen offensifs euh, dans leur formation goal line Et je pense, on sait qu'il y a des, des petites mouvances au niveau du Super Bowl. On se rappelle notamment le le call des Eagles, tout ça machin des mmh. choses où on aime bien surprendre l'adversaire euh, l'onsight kick des Saints euh, si on remonte un petit peu plus loin euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait peut-être un petit lineman sur une position goal line qui puisse être servi pour éventuellement tenter de surprendre Spagnolo et les Chiefs ouais, euh, Ariane qui joue la surprise sur une passe courte ce serait incroyable, moi je pense que la surprise c'est plus genre une passe de 50 yards sur 4ème et 1 mais euh... <laughs> ça peut aussi On reviendra à tenter les 4ème au moment des clés du match euh, je crois que on a fait pas mal le tour pour quand Tampa Bay a le ballon. On met un petit jingle et on passe à quand Kansas à le ballon. Salut, c'est Laurent du Journée Tardif en direct de Miami et vous écoutez Touchdown Actu. Il n'est pas à Miami, il ne sera pas non plus à Tampa, on l'a redit et redit, mais euh, Laurent Duvern est tardif est resté à Montréal. En revanche, les Chiefs, eux, seront à Tampa et quand ils auront le ballon, euh, ça va euh, ça va être assez étincelant si ça suit la logique de cette année. Ils sont en route pour un doublé, ce qui est plutôt rare en NFL. Euh, ils ont l'air d'être plutôt inarrêtables ou en tout cas euh, jamais complètement hors du match et tant qu'ils sont pas hors du match, ben, ils sont toujours capables de revenir pour vous donner quelques éléments de réflexion cette année quand ils ont le ballon c'est 415 yards gagnés en moyenne par match c'est la meilleure attaque à ce niveau-là en NFL 29,6 points marqués seulement 16 pertes de balles et Mahomes de son côté 4740 yards lancés 38 touchdowns et seulement 6 interceptions ça euh, je pas été vérifié mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de saisons en NFL où il y a des mecs titulaires qui ont lancé seulement 6 interceptions euh, Messieurs est-ce qu'on peut considérer que cette attaque Tiens, comment est-ce qu'on la classe cette attaque par rapport à l'an dernier Est-ce qu'il y a vraiment une évolution Est-ce qu'il y a vraiment une régression J'ai pas l'impression. Euh, ou alors est-ce que c'est toujours aussi fort Comment est-ce que vous qualifieriez ça C'est Grégory qui va hériter de cette question épineuse. Ah oh bah ben non Il évite <laughs> il, il il tu sais Raphaël parce qu'il sait que Raphaël aime autant Mahomes qu'il ne déteste Brady. Raphaël aura tout à fait l'occasion de s'exprimer aussi. Je comprends Raoul, tu cherches un peu de nuances sur les types, c'est important. <laughs> Vas-y, on t'attend, euh... on t'attend là, vas-y. <laughs> non, euh, bah pour moi, si, ils ont quand même, ils ont quand même progressé euh, d'une certaine manière. Alors, il y, avait, il y avait de tels standards sur les deux dernières années, parce que c'est vrai qu'on se rappelle de l'année dernière où ils, où ils vont chercher le Super Bowl, mais il y a quand même la saison stratosphérique de Mahomes euh, avant ça. Donc, euh, bon, je ne sais pas si régression, c'est sûr que non, et tu, tu, tu l'as toi-même modéré dans la question. Euh, après, progression, en tout cas, ils ont toujours un certain nombre d'armes à disposition. Euh, à part peut-être le bémol principal dont on va parler, qui sera selon moi forcément la ligne offensive, mais en tout cas, si on parle d'un point de vue euh, skill player capable éventuellement d'apporter des solutions à un Patrick Mahomes qui restera forcément euh, à battre en playoff. Parce qu'il n'a toujours pas perdu. Euh, bah si, il a perdu une seconde période contre, tient contre, un contre un les parties, bien sûr. Mmh. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, qui va être quand même à, à maîtriser. Ça va pas être évident, mais il a des cibles à disposition, dont Tyrique Hill. Je prenais l'exemple du match de saison régulière euh, tout à l'heure. Mmh. Euh, C'est aussi un match où Tyrique Hill s'est baladé du début à la fin. Il fait quoi Je crois qu'il fait 269 yards, 3 TD. Sur donc, ce match -là. Sang, euh, à la fin du premier quart-temps. Voilà, donc euh, on sait que cette défense de Tampa, elle a quand même la capacité de bien défendre en homme à homme, elle l'a démontré durant ses playoffs Maintenant, face à ces Chiefs-là qui sont capables, je prenais un petit peu l'analogie de, de l'attaque des Patriots, euh, justement de l'époque Brady, de jouer dans les espaces et de vraiment exploiter chaque brèche pour transformer ça en, en yards conséquents euh, après le toucher de ballon. Là, on est un petit peu dans ce même état d'esprit et il va falloir avoir les clés du côté de cette équipe de Tampa pour stopper un tel système offensif de la part de Kansas City. Une des cibles de Mahomes qui va m'intéresser, et je vais lancer Raphaël sur cette question puisqu'on en a parlé avec d'autres membres de la rédaction euh, il n'y a pas longtemps, Travis Kelsey, euh, est-il Raphaël le meilleur Tiden de l'histoire C'est à toi de trancher. Ah ouais, direct. Ah ouais, non, mais là. <laughs> C'était le débat euh, le jour de la rédaction chez Bustéco. Alors, euh, oui, alors on, on est d'accord. Merci. C'est ça. Ouais, actuellement, euh, bon, bah, alors, sur cette question, actuellement, je, crois, <laughs> je ne crois pas qu'il soit le meilleur. Par contre, s'il arrive à maintenir ce rythme sur 10 ans, euh, là, la question sera absolument légitime. Hein. Ça, il n'y a, a pas de doute. Maintenant, euh, à l'heure actuelle, je, je donne encore l'avantage à Tony Gonzalez. Après. Je pense que par contre, Kelsey est déjà rapidement dans les euh, très très bons historiquement à son poste. quoi c'est je... meilleur de la ligue tout simplement. Ouais, il... Aujourd'hui, de... oui, il va vite très vite les échelons dans le classement historique à mon avis. Même si après, je pense que euh, bon, pas sûr qu'on puisse comparer euh, déjà comparer les joueurs euh, entre époques, c'est différent. Mais alors, je pense qu'encore plus au poste de end, qui a pas toujours, s'est vraiment pas comporté de la même manière suivant ouais. les époques, euh, c'est peut-être encore plus compliqué quoi. Mais Bon, Mais sinon, très la, la question cachée, c'était voilà, oui. un peu ça. Quel va être ça, son vraiment. apport dans le match, bien sûr bah, Son apport, pour moi, il, enfin, il va être comme il est depuis trois euh, ans avec Mahomes. C'est la cible principale en fait, de, de Kansas City, peut-être encore plus que Tyreek Hill, parce que lui joue sur des zones intermédiaires qui permettent de faire avancer encore plus le ballon et peut-être encore plus une soupape de sécurité pour Patrick Mahomes. Euh, il a une qualité de, de course, de tracé assez incroyable. Enfin, on l'a vu en playoff là quand il a mis Denzel Ward sur les chevilles, euh, qui est quand même un cornerback de haut niveau. Et, enfin, voilà. Il y a un duel qui s'annonce assez intéressant avec Devin White notamment, hein, le linebacker de Tampa Bay. Je pense que là, ça va ça va jouer costaud et ça va... Ouais. Euh... J'aurais même dit Winfield. Hein. Je pense que quand tu ouais, vois le gabarit Winfield, du ouais, bonhomme, euh, sa capacité à jouer un petit peu partout, euh, mm. je pense qu'il va être, il va le surveiller comme le lait sur le feu. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Donc du coup, euh, il, il sera encore l'arme numéro un. Donc ça, bien sûr que c'est, son apport va être... Euh, ça va être important. Après, euh, tu, tu posais la question à Greg euh, régression ou pas Pour moi, ils ne sont clairement pas en régression. Ils sont euh, sur les standards. Euh, j'aurais presque tendance à dire que leur attaque est encore plus perfectionnée que l'an dernier parce que la ligne offensive est moins forte et pourtant le, mmh. le, gap, mmh. le gap en termes de points, en termes de trucs, se, se ressent même, même pas. Donc euh, j'aurais presque mmh. envie de dire que la, la machine est encore plus rodée en fait. Alain, tout à l'heure, tu as évoqué rapidement les coureurs. Alors, on a dit que du côté des Buccaneers, ça allait jouer. Côté Chiefs, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Effectivement, pour Clyde Edwards-Hiller, qui sort d'une saison rookie prometteuse, mais un peu, un peu minée par les blessures. Leveon Bell est très loin de ce qu'on avait pu voir avec lui du côté des Steelers. Rigolo, d'ailleurs, il y aura peut-être Leveon Bell et Antonio Brown sur le terrain dimanche, et il n'y aura pas Burger Pour ceux qui suivaient déjà à l'époque chez les Steelers. Qu'est-ce qu'on peut quand même en espérer Il resterait Daryl Williams chez les Chiefs. Euh, lui tout seul, ça peut être difficile. Bah, euh, apparemment, Edward Zeller et Bell joueront. Euh, oui, oui. On ne sait pas trop dans quel état. Mais en fait, c'est un tout. Moi, je trouve, euh, Greg l'a mentionné en premier. Je pense que c'est vraiment l'essentiel quand on parle de cette attaque des Chiefs. C'est qu'on sait ce qu'on va avoir avec Mahomes, euh, Kelsey et Hill dans l'excellence. Euh, même derrière avec des Watkins, des Robinson enfin ils vont trouver des cibles dans tous les sens ça va être explosif très bien euh, mais en effet il y a une ligne offensive qui a des, pro qui a des problèmes de blessures et tu rajoutes à ça des coureurs derrière qui ont des problèmes de blessures donc là ça commence à faire un vrai vrai facteur X au niveau du jeu au sol euh, on, tu, tu l'as dit hein, Laurent Duvernay-Tardif ne euh, joue pas la saison pour Covid Lucas Niang ne joue pas la saison pour Covid euh, Kelechi Osemele s'est blessé Mitchell Schwarz s'est blessé et Eric Fischer s'est blessé la semaine dernière en finale de conférence donc ça, fait, ouais. ça commence à faire beaucoup au niveau du, du turnover sur la ligne ils peuvent gérer ça parce que c'est une équipe qui est très bien coachée, mais euh, voilà, ça commence à faire des choses. Et je, je, je t'ai un œil en fait en même temps qu'on qu parlait pour vérifier. Mais l'an dernier sur le Super Bowl, ils ont un coureur à plus de 100 yards. Ils ont Damien Williams qui est à 104 mm. euh, et ils sont à 129 au total parce que Patrick Mahomes en avait gratté un peu. Euh, bon, je pense que le pied de Mahomes va mieux au bout de deux semaines vu qu'il allait déjà très bien en, en finale de conf. Oui. Mais euh, voilà, ça peut quand même être bien dans un Super Bowl d'avoir quelques yards au sol. Là, c'est une vraie inconnue. Après, si Edward Zeller est belle, alors belle un peu moins cette année hein, quand même. Euh, on ne l'a pas non plus vu faire des étincelles immenses avec les, les Chiefs. Mais euh, Edward Zeller a pu faire des bonnes choses. Au début de la saison, il fait un très bon match euh, en ouverture de la saison. Il y, a, il y a quelques bons trucs. Mais ça reste quand même, je trouve, plutôt une des inconnues de ce match, euh, l'usage de, des, des Chiefs au sol. quoi. Parce que euh, si tu regardes sur la, la finale de conf... Euh, non, je regardais, pardon, sur le match contre Tampa, euh, leur meilleur... Quoi. Justement, c'est Edward Zeller à 37 yards sur le sur le premier match de saison régulière. Ça les empêche mmh. pas de gagner. Voilà. Après, euh... après, juste sur la juste sur la ligne, justement, ce qui est peut-être intéressant et c'est peut-être aussi pour ça que ça nous a plus sauté aux yeux sur le match contre Cleveland, euh, c'est que justement, Mahomes a aussi cette capacité, euh, on va dire peut-être à, à scrambler, en tout mmh. cas à se mettre rapidement en bonne position dans la poche pour identifier rapidement une bonne lecture dans le jeu intermédiaire. Et c'est peut-être aussi ce qui lui permet justement de pas trop exposer sa ligne. Euh, et d'avoir plus une, comment dire euh, d'avoir plus un, un mur souple que vraiment une, une ligne qui doit, qui doit tenir et subir mmh. l'adversaire donc euh, c'est là dessus où en effet sa mobilité est assez précieuse et où en effet c'est là où on a vu que contre Buffalo c'était quand même plus intéressant que ce qu'on avait vu contre Cleveland mmh. même si encore une fois malgré sa blessure au pied contre les Browns il n'avait pas démérité, il n'avait même pas hésité d'ailleurs à aller chercher des, des yards au sol quand il fallait le faire tu parles justement du fait que Mahomes soit capable de courir. Je ne dis pas que c'est un, un quarterback-coureur comme il y en a d'autres dans la NFL, mais enfin la comparaison avec Brady n'est même pas euh, existante. Euh, S'il y a besoin d'aller gratter 2-3 yards au sol sur un bout de ligne, il ira. Là où Brady euh, va parcourir tout droit et lever les jambes de temps en temps dans ses défenseurs, euh, il ne fera pas grand-chose. Ça, c'est gratuit. Euh, on parle de l'attaque des euh, Chiefs. On peut parler un petit peu de la défense, messieurs des Buccaneers. Mmh. Quelques stats pour vous. 25... 25 pertes de balles provoquées, dont 4 fumbles forcés et 2 récupérés par Jason Pierre-Paul, qui incarne un peu euh, les provoqueurs les turn les, les de turnover des ouais, de turn euh, de, 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 de Buccaneers. Mais il y a plein d'autres joueurs autour de lui. Cette défense, Raphaël, elle est, euh, elle est un peu plus flippante, je dirais, que, que celle des, des Chiefs aujourd'hui. Et sur ce match-là, c'est peut-être elle qui, qui me semble la plus à même d'embêter de, l'équipe adverse. Elle, elle paraît en tout cas, je ne sais pas si flippant le terme, mais elle paraît peut-être plus solide dans sa, dans sa façon de, de stopper l'adversaire, peut-être plus régulière au cours d'un match. Mm. Tu as cité Pierre-Paul, mais as, sur la ligne défensive, tu as quand même Tcheky Barrett qui est, qui est assez incroyable en termes de pass rush. Tu as Vita VEA, qui est quand même revenu et on l'a vu directement, le run-stop de Tampa Bay euh, fait un bond à chaque fois qu'il est là, euh, sur le milieu de la ligne euh, pour… pour pour bloquer deux de un garde et un centre et le coureur avec donc euh, ouais c'est devine tout ça enfin bref on va pas évoquer tous les noms hein, mais euh, ils sont assez impressionnants à ce niveau là ils créent des turnovers donc euh, clairement c'est une défense euh, et ils l'ont montré d'ailleurs pendant les playoffs hein, euh, le nombre de turnovers créés etc donc c'est une défense très costaud et c'est vrai que sur le sur ce qu'on a vu cette saison, elle paraît plus costaud que celle des Chiefs, même si celle des Chiefs, j'ai l'impression, est un peu plus montée en régime, alors que celle des, de Tampa Bay s'est directement imposée assez rapidement. Mais peut-être un petit peu d'inquiétude sur le backfield défensif quand même de, de Tampa Bay. Enfin, bon, je, voilà, je, je, ben, je sais que ça a été une de nos peurs toute la saison. Ils ont fait mieux que ce qu'on a pu croire ou penser, peut-être, mais je, je m'interroge encore un peu avant ce dernier match. Alain, tu voulais réagir Oui, j'allais dire, un peu, ça a été un peu la peur, comme le disait Raphaël, toute l'année. Euh, disons qu'ils ils sont playmakers, ils sont agressifs, mais ils sont jeunes. Donc, euh, tu as, le, as les avantages et les inconvénients qui vont avec tout ça. C'est-à-dire que quand ils sont à leur meilleur niveau, as, tu peux te dire qu'ils sont meilleurs que, que la défense de Kansas City sur à peu près tous les rideaux, parce que je pense que sur le front seven… Euh, euh, avec euh, avec Vea, Va, euh, Ndamu et euh, derrière tu rajoutes les, la paire de linebackers là pour le coup il euh, n'y a pas match euh, mm. euh, du côté de du côté de Tampa donc au niveau du front seven c'est au dessus. Euh, je dis ça parce qu'il y a un papier sur l'opposition poste par poste qui va être publié sur le site, qui est peut-être déjà publié au moment où on se parle, euh, enfin au moment où vous écoutez, euh, qui a été rédigé par Lucas euh, Luca Volla. Et lui mettait euh, l'avantage aux Buccaneers sur la ligne défensive, sur les linebackers et sur la couverture, à, sur le, les defensive backs. J'étais presque un peu surpris sur les defensive backs parce qu'avec Tyran Mathieu, qui a beaucoup d'expérience euh, et qui est quand même un fort joueur. Moi, je donnerais presque égalité. Il y a peut-être plus de qualité diffuse sur sur les sur les Buccaneers, mais avec ce truc de la jeunesse quoi. Qu'est-ce qu que tu mettrais gagnant sur ce match-up-là, Greg euh, ça, je, je te pose des questions parce que moi, je pense notamment à, à, euh, au rookie euh, Antoine Winfield, euh, qui, qui n'aura probablement pas le titre de rookie défensif de l'année euh, du fait de Chase Young et de sa saison exceptionnelle, mais il y a du talent euh, du côté des Buccaneers. Alain l'a dit, toi, tu verrais qui est gagnant sur ce match-up-là euh, c'est compliqué dans. C'est vrai que est-ce que j'aurais donné un avantage euh, déterminant, on va dire à Tampa Bay, je ne sais pas. Maintenant, c'est sûr que c'est relativement homogène sur le poste de corner. Euh, mmh. À mon sens, ils ont quand même, j'en parlais, à un Carlton Davis qui est très performant. Après, c'est sûr que les autres, on n'est plus sur du profil de gambler et sur des, sur des joueurs qui peuvent être à même de, de comment d'être sanctionnés pour des pénalités un peu fâcheuses. Euh, voilà, Que ce soit Dean, Murphy, euh, même Coquerel, quand on fait appel à lui, ce n'est pas les corners qui me sur le plus, euh, on va dire, euh, dans le duel en un contre un, surtout comme on l'a dit, avec des receveurs qui sont capables de, par leur tracé, euh, d'éventuellement leur fausser compagnie euh, sur, le, sur des zones intermédiaires au dernier moment. Donc j'ai un peu peur que les mains traînent à ce niveau-là. Après, euh, oui, on, on est dans cette phase, fa... on est dans cette mouvance pardon, euh, en, en ce moment en NFL avec des. Des backfields intérieurs très très fournis euh, où on tente beaucoup avec trois safeties et c'est vrai que bon du côté de Kansas City on a parlé tout à l'heure de de Fort Hill, ouais. de Mathieu de Sorensen qui malgré son action un peu litigieuse contre Cleveland bah quoi qu'on puisse en dire bah ça a eu une incidence sur le résultat il avait été décisif aussi l'année dernière contre Houston en playoffs faut pas l'oublier euh, et du côté de Tampa il euh, y a en effet Winfield il y a un Jordan Whitehead qui a été euh, qui a été pas mal du tout en, en finale de conférence. Dans une moindre mesure, il y a Mike Edwards. Mais en tout cas, oui, en effet, pour compléter ce que disait Alain, ou pour le rejoindre en tout cas, c'est sûr que oui, ça paraît un peu plus diffus et en tout cas peut-être un peu plus intéressant sur le poste de cornerback. Après, on a vu en effet que Kansas City, même avec peut-être un côté un peu moins clinquant sur les extérieurs, ils sont capables de faire des différences et de provoquer des pertes de ballon avec, euh, avec d'autres joueurs. Alors, on ne va pas y revenir parce que là, on est du côté de l'attaque des Chiefs. Mais euh, ouais, en tout cas, du côté de cette équipe de Tampa, c'est sûr qu'en dehors de Carlton Davis, voilà, on a l'impression ouais. qu'on jette un petit peu la pièce ouais. en l'air et c'est ça qui inquiète peut-être un petit peu plus. Ouais, je te trouve, alors je vous trouve euh, globalement, euh, je suis assez d'accord, mais, mais tu vois, genre, par exemple, je regarde euh, Sean Murphy Bunting de... sur ses trois derniers matchs de playoffs, c'était quatre passes défendues, trois interceptions euh, et euh, un plaquage pour perte. Mm -hmm. C'est. Ah oui, mais le, on juste... sait qu'il est capable de les faire, les parts de balle Il les faisait déjà l'année dernière, et il, ouais. il est extrêmement précieux dans le slot, ça je ne dirais pas le contraire. Mais, mais ça m'inquiète un peu contre cette équipe des Chiefs, le fait de laisser peut-être un petit peu traîner les mains. Mais c'est peut-être moi qui suis dans, dans le c'est Et c'est hein. ah, juste. Ce que, ce que dit Greg, moi je trouve, euh, ce joueur-là illustre parfaitement le côté gambler euh, par ailleurs dont, mmh. dont Greg parlait. C'est qu'on l'a vu cette saison à plusieurs reprises être en difficulté face à des receveurs euh, dans le match, prendre des passes, prendre des yards après réception, mais effectivement il a cette capacité à créer des turnovers et là il l'illustre. Donc c'est. Il... À certains égards, euh, toute proportion gardée, Moi, il me rappelle un peu à Marcus Peters. Tu sais que tu vas prendre des, des jeux sur lui, mais par contre, il a une capacité à créer des turnovers qui peuvent, effectivement, dans le match, changer. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais juste pour compléter ce que je dis, il euh, y a un match, par exemple, qui est assez symptomatique de ça, c'est le match face aux Saints. On a vu que la défense, le backfield défensif des Bucks en première mi-temps, on les a sentis un petit peu en difficulté sur certaines périodes avec les mains qui traînaient un petit peu. Et en deuxième mi-temps, quand les ajustements ont été faits, ce n'était pas du tout la même limonade. Et là, en effet, on s'est retrouvé avec beaucoup d'interceptions et une capacité justement de la part des cornerbacks à, à vraiment anticiper et bien lire le jeu. C'est ce côté justement un petit peu, euh, euh, ouais, un petit peu bipolaire qui moi m'inquiète dans, dans, dans ce backfield des Bucks, mais ce n'est pas une vérité absolue. Je me permets de poser une question. C'est une déformation parce que d'habitude, c'est moi qui les pose. Mais <laughs> euh, là, tu vois, on dit ils ont des bons linebackers, ils ont un bon front seven, ils ont des bons corners, etc. Mais en vrai, est-ce que ça leur suffit pour stopper les Chiefs Parce que là, on fait l'opposition. Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'on a beau les lister. Tu te dis, ils ont quand même pris 200 yards sur le nez en un carton, euh, la dernière fois qu'ils ouais. se sont joués. Fait une <laughs> non, mais tu vois, attention, ça veut pas. Parce que je pense que les Chiefs vont avoir du mal à stopper les Buccaneers aussi. Je dis pas que ça va être. Euh... Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que ils sont quand même toujours face à des dilemmes hyper compliqués on parlait de Kelsey est-ce que tu mets un safety est-ce que tu mets white comment tu gères les trucs les corners ils ont des bons corners mais il y a beaucoup de bonnes cibles du côté de Kansas City mmh. donc est-ce qu'ils vont je sais pas est-ce qu'on va en reparler dans les clés et dans les et dans les pronos hein, mais est-ce qu'ils arrivent quand même malgré toutes ces qualités là à stopper Kansas City est-ce qu'il y a un mec qui peut faire la différence est-ce que est-ce que je pense que oui il faut profiter de cette ligne de, de cette ligne offensive qui va être diminuée mais euh, il va falloir vraiment en profiter à fond. Quoi. Moi, j'entends ce que tu dis. Euh, après, attention. Hein. Je veux bien qu'on se fiche sur le match de saison régulière. Mais si on part par là, les Saints ont mis deux, deux trempes au Bucks pendant la saison régulière. Oui, oui. Non, Donc, mais je... On sait qu'il y, qu y a un coaching qui est capable de s'ajuster en face. Et c'est peut-être aussi là où les mecs vont se dire euh, « Attendez, on a pris le bouillon en première mi-temps contre Kansas mmh. City. Pourquoi ?» Et justement, tirer les enseignements de ça. Après, je te rejoins. Voilà. C'est une chose de dire… On a potentiellement les armes pour les arrêter et les arrêter. C'est forcément, après, il faut mettre en application. Mais tu le formules bien. C'est précisément ma question. C'était justement ça. C'était qu'est-ce qu'ils peuvent changer, ajuster pour réussir à, à les stopper et quel serait le, le plan C'est ce que tu dis très bien. Hein. On ne on fait pas l'émission pour dire sur le papier, il va se passer ça. C'est justement d'essayer de trouver ce qui pourrait être modifié pour y arriver. Et, et j'ai quand même du mal à le voir. Quoi. Raphaël non, mais il y a une question après, c'est toujours dur à, à mesurer, mais c'est aussi une question d'exécution sur le terrain. Ouais. C'est-à-dire un moment, je, je pense que. Voilà, on, on, a, du côté de, de, de Balls, il y, 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 y a des idées pour, pour contrer, euh, contrer l'attaque de Kansas City il va y avoir des, des choses. Là, maintenant, il va falloir qu'il soit ultra précis dans l'exécution. Et comme Greg l'a dit, les petites mains qui traînent sur un Tyreek Hill qui change sa direction au dernier moment, sur un Travis Kelsey qui change au dernier moment, sur un McCall Hardman qui change au dernier moment sa direction. Parce que. On, on le sait très bien. Les, les chips sont, euh, sont une des attaques qui jouent le plus de, de mouvements euh, pré snap de motion, pour essayer de, de un peu euh, mettre en hésitation la défense adverse avec des changements vraiment de position juste avant le. Donc, va falloir que les mecs soient hyper précis sur comment ils suivent ça, sur comment ils s'y ajustent. C'est ça parce que en plus ils ont ils ont quand même cet avantage c'est qu'ils ont deux inside linebackers hyper mobiles mm -hmm. Ils sont vraiment capables de je trouve de, de couvrir une certaine zone du terrain et en effet vous parliez tout à l'heure de, de des nombreuses armes qui sont capables de mettre la pression sur sur Mahomes euh, ne serait-ce que la ligne défensive, on parlait de Sou, on parlait de via même William Goldstone, hein, je crois que c'est celui qui a mis plus mm -hmm. de, de, de pression à proprement parler sur le quarterback adverse depuis le début de la saison euh, Nunes Roches également euh, en tant que nostacle quand via n'était pas là euh, il n'était pas mauvais dans cet exercice-là mm -hmm. donc il y a peut-être aussi dans la volonté de boss de vraiment mettre une grosse responsabilité avec un gros front de fort, avec un in Barrett peut-être plus avancé, ce qui laisserait un peu plus de latitude au linebacker, après encore une fois euh, voilà, les mecs ne sont pas, sont pas surhumains et il faut réussir à attraper des mobilette, une fois qu'elles sont lancées après le snap quoi. Bah, c'est ça. Compliqué, messieurs. Pour finir là-dessus, je vous entendais parler des gamblers au poste des, 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 des lignes arrière du côté des Buccaneers en défense. Finalement, est-ce que ça va paraître un peu réducteur, mais mais on disait tout à l'heure que quand Brady a le ballon, il, il accepte le déchet, il accepte de tenter des trucs, quitte à ce que ça passe pas. Là, c'est un peu la même chose du côté des, des Buccaneers. est ce qu'on peut résumer cette, cette équipe en disant que bah, il va falloir que, que la pièce tourne un peu en leur faveur aussi pendant le match parce que si on, on va enchaîner là-dessus, justement, ça sera une très bonne transition pour les clés du match. Mais est-ce que bah, on sait déjà à quoi s'attendre du côté des Chiefs Là où pour les Bucks, on attend peut-être de voir si tout, tout fonctionne à 100% de ce qu'on attendait, voire 110%, il va bah, falloir au moins ça. Alain, c'est toi qui. Bah, les, le, la, le truc, c'est que les Chiefs, eux, ils jouent dans le même système depuis plusieurs années, donc euh, a priori, ils sont quand même un peu plus rodés. Même si euh, Brady et compagnie sont rentrés dans leur euh, dans leur attaque au fur et à mesure de l'année et qu'ils ont l'air de bien la maîtriser maintenant, ça, ça crée tout de suite un petit poil plus d'inconnus. Tu tu me dis que tu te dis que voilà, il peut, il peut, ça peut dérailler peut-être un peu, un peu différemment. Et puis les Chiefs, c'est un peu différent parce qu'ils sont quand même un peu à réaction par moment. Donc tu, ça se trouve, tu vas avoir l'impression qu'ils ne sont pas dans leur match pendant un quart-temps. Et puis ils vont exploser dans le second, ou alors ce sera dans le troisième, et ainsi de suite. Donc on, ça, on le sait aussi à propos des Chiefs. Euh, pour les Buccaneers, ce sera plus une inconnue. S'ils ratent complètement leur début de match, euh, il va falloir voir aussi comment ça tourne pour une équipe qui a qu'un an d'expérience. C'est vrai. Messieurs, merci pour euh, cette petite partie sur quand les Chiefs ont le ballon, on enchaîne par euh, on enchaîne pardon avec les on a dit bah les clés du match. Hey Kurt Warner here, Hi to everybody at the Touchdown Podcast. Sur un grand quarterback pour nous lancer sur cette euh, partie des clés du match. On embrasse Kurt Warner, bien sûr. Euh, messieurs, quelles vont être Alors, pour vous, les clés du match, ça peut vouloir dire plein de trucs. On peut dire le facteur X. On peut dire la stratégie à adopter. On peut essayer d'envisager aussi des scénarios euh, divers et possibles. Euh, Alain, tu, tu, dis, tu disais un bon truc là juste avant, et, et messieurs je, Greg et Raph, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce euh, que pour les, pour les Buccaneers L'idée d'aller chercher les Chiefs et d'essayer de, de tout de suite les distancer au score, ça peut être une solution dans la mesure où ça n'a jamais vraiment marché pour leurs adversaires, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de suivre leur rythme et de les battre en fin de match Qu'est-ce que vous feriez typiquement, Greg <laughs> ouais, parce qu'elle est compliquée celle-là elle est un peu à ah ouais. biscoter hein. ouais, vous avez Donc. deux heures <laughs> non dix minutes suffiront euh, en gros ta question c'est de savoir est-ce qu'on prive est qu Mahomes de ballon et est-ce qu'on joue chrono c'est un peu comme ça que je le résume <laughs> oui tu peux bah, ça va être compliqué euh, dans le sens où on a dit que s'il y avait pour le coup, je pense que s'il y a bien une équipe qui est dogmatique sur ce match-là, c'est plus Tampa que Kansas City. Donc, euh, pour le coup, je ne sais pas, euh, j'ai du mal à me figurer, mais peut-être que je me trompe, j'ai du mal à me figurer que Bruce Arians va attendre de voir ce qu'on lui propose pour dire, bah, du coup, je vais m'adapter et je vais voir. Là, on est quand même, parce que, on peut le dire, hein, encore une fois, c'est pas manquer de respect à Eric Bienemi et Byron Leftwich, les deux coordinateurs offensifs sur le papier, mais on a quand même deux head coach slash coordinateurs offensifs. Euh, qui bon en termes d'idées et d'envie de montrer qu'ils ont les corps en Est, notamment dans le jeu aérien, ça se place là. Donc, euh, je pense très franchement, je... c'est une possibilité. Ça peut en effet être une clé du match à, à prendre en considération. Euh, même si on l'a dit tout à l'heure, le jeu au sol de Tampa Même si il a un peu plus, il a tendance à un peu plus se rassurer ces derniers temps, notamment de par l'état de santé du backfield offensif, euh, il pourrait éventuellement jouer là-dessus. Mais voilà, tu as, as, as Brady face à Mahomes, Brady qui, la, qui reste malgré tout un, un, un comment dire, un, un élément particulier, euh, je ne sais pas comment formuler ça, mais oui, de toute façon, quelque chose d'autre en playoff, quoi qu'on puisse en dire, quel que soit le système dans lequel il évolue, je pense que tu vas vouloir malgré tout dire, bah voilà, vous avez vu le gars, j'ai réussi à le transformer dans un autre système, et bah, c'est comme ça qu'on gagnera, et si Kansas City doit suivre, et bah, ils essaieront de suivre, je pense que ça va nous donner un spectacle aérien absolument prodigieux. Raphaël, euh, il parlait justement d'avoir les, les Coronés. Est-ce que euh, sur ce match-là, on, on va avoir des coachs qui osent, je pense, aux quatrièmes tentatives, mais je pense aussi à des, des jeux un peu différents Et tu mentionnais, voilà, le, le, les motions des Chiefs avant le snap et des trucs comme ça. Est-ce que on peut s'attendre à voir, euh, pas des innovations, mais des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire oui, peut-être. Euh, peut-être qu'effectivement, aient... je ne serais pas étonné, mais alors là, c'est peut-être mon côté très optimiste sur les Chiefs, hein, mais je ne serais pas étonné qu'Andy Reid ait gardé 2-3 munitions pour la phase finale avec une équipe de Kansas City qui s'est souvent retrouvée cette saison à dominer son match, à être tranquillement devant et après à un peu gérer. Donc je ne serais pas étonné qu'ils aient euh, en, qu en cas de difficulté où vraiment il faut aller chercher le match euh, il faut renverser la tendance qu'il ait deux trois idées de, de trucs un peu différents pour pour euh, re, rechanger le momentum ça je serais pas très étonné Bruce Arians va oser va faire ce qu'il fait depuis le début de la saison et ça lui réussit donc voilà euh, donc oui oui je dirais ça et pour aller plus loin du coup dans le truc je pense qu'ils vont oser parce que je, et du, du coup, c'est un peu une de mes clés du match, mais c'est que je pense que le, le, le match va se jouer en attaque, et notamment pour Tampa Bay. En fait, je pense que Ariane s'est bien regardé euh, la victoire des Raiders euh, contre les Chiefs cette saison. Euh, et le deuxième match des Raiders, où Las Vegas a encore posé beaucoup de problèmes à, à Kansas City, et qu'il euh, s'est bien rendu compte que depuis deux ans, se dire, tu ne vas pas battre les Chiefs en les limitant à 20-25 points, parce qu'en fait, ça n'arrivera pas. Non. Donc, il faut, il faut aller en attaque, il faut attaquer, il faut essayer de, de marquer le plus de points. Et je pense que c'est la clé du match c'est la capacité de Tampa Bay à, à aller marquer 30-35 points à cette équipe des Chips. Et pour ça, à mon sens, bah, il va falloir jouer des quatrièmes il va falloir tenter des trucs. Donc, euh, oui, je te rejoins. C'est être... au hasard tenter des quatrièmes. Non, mais <laughs> oui, oui, non mais... non, mais parce que je, Disons que je pense que si tu... J'ai du mal à voir Tampa Bay gagner un, un Super Bowl face aux Chiefs en préférant taper des field goals de 20 yards sur des 4 et 2 plutôt que d'aller chercher des touchdowns. Voilà, je, je serais étonné qu'ils le gagnent comme ça. Après, des fois, les Super Bowls nous ont fait mentir et les scénarios sont totalement différents parce que la pression du match, enfin, le rams patriots où on s'attendait à un festival enfin, offensif, ça, ça, ouais. on s'est retrouvé avec, <laughs> avec un match très compliqué offensivement. Mais je, disons, enfin. Je sais pas, euh, mais après deux ans de ce qu'on voit de la tête des chiffres, même trois saisons, je vois pas comment on peut croire que tout d'un coup sur ce match-là, les mecs vont mettre que 14 points, en fait. Je je ne vois pas pourquoi ça arriverait ce soir-là, en fait. Et moi, pour rajouter ouais, ouais, à ce que dit Raphaël, je suis dans le même esprit au sens où il va falloir y aller, il va falloir tenter, il va falloir marquer. Et euh, c'est un point bingo euh, clé du match, parce que je suppose que c'est dans toutes les clés du match de tous les, de tous les matchs, mais il faut les tuer derrière les turnovers aussi, C'est-à-dire qu'il faut que tu quand même. Euh, tu, tu croises les doigts pour réussir à en arracher un ou deux. Je prends l'exemple du match justement des, des Raiders, celui qui perd. Euh, Kansas City est lancé pour essayer d'aller euh, arracher justement, enfin euh, de recoller un peu au score dans le quatrième quart temps. Ils se font intercepter et derrière les Raiders tu le match en mettant un touchdown derrière. Alors ils les interceptent dans leur moitié de terrain et ils marquent juste derrière. Hein. Mais on l'a vu avec les, les Packers la semaine dernière. Si tu as des turnovers à ce niveau-là, il faudra les tuer quoi. par contre. Parce que si tu te permets de piquer, parce qu'ils n'en perdent pas beaucoup. Donc, si tu en piques un à Mahomes, même un, tu as intérêt à mettre des points derrière euh, mmh. et à tenter tes quatrièmes et à, et à y aller. Donc, euh, vraiment, même esprit que ce que disait Raphaël, mais vraiment avec, euh, avec cet ajout-là pour moi, je pense qu'il faudra réussir à arracher au moins un ou deux ballons à cette Chiefs quand même. Euh, parce qu'ils sont très propres. Même quand ils ne marquent pas, ils puntent, ils sont propres. Euh, si tu arrives à leur arracher un ou deux ballons euh, de préférence dans leur partie de terrain et à les punir, comme euh, l'a bien fait d'ailleurs par hein, sur les derniers matchs, euh, je pense que là tu te mets vraiment bien. Euh, et sinon, en, en effet, euh, à minima, marquer beaucoup pour avoir un match serré. Donc on je, espère euh, plein ouais, de points, vas-y. Oui, excuse-moi, juste parce que du coup, euh, c'était pour compléter et c'est pour en revenir à la question que tu m'avais posée initialement euh, tout à l'heure. Euh, je pense même que s'il y a une équipe qui peut être amenée à jouer le chrono, c'est Kansas City, dans mmh. le sens où ils ont notamment, alors je ne dis pas que ce n'est pas une capacité du côté de Tampa, mais en tout cas, à mon sens, ça me paraît un peu plus évident du côté de Kansas City. Ils ont énormément de joueurs capables de partir, par exemple, sur des tracés de jet sweep euh, et à aller glaner, notamment, des premières tentatives extrêmement précieuses. Mmh. Ce qui me paraît peut-être un, peu un peu plus compliqué du côté de Tampa. On est plus sur du pass pro classique et peut-être moins sur une mobilité flagrante de la ligne. Donc euh, c'est là-dessus où en effet je ne dis pas que Kansas City va adapter son style à Tampa, encore une fois, pour revenir à la question initiale. Mais en tout cas, Kansas City a peut-être plus les armes que Tampa Bay pour essayer de jouer à sa main quand il y a besoin de le faire. Est-ce que tu peux définir Jet Sweep pour nos auditeurs qui seraient moins calés? C'est euh, voilà, des, des receveurs pour la majeure partie du temps, enfin, en tout cas des, des joueurs extérieurs qui partent de, du backfield, euh, qui, qui partent derrière le quarterback euh, et qui font des courses latérales pour justement contourner la, la défense. Excellent, merci beaucoup. Euh, vous, on disait tout à l'heure, on l'a mentionné euh, que le jeu au sol des Chiefs, ça n'est pas forcément, euh, en tout cas sur le papier, avait pas l'air d'être le plus impactant dans ce match-là. Est-ce qu'une des stratégies peut-être des Buccaneers serait de, de dire justement tu forces un peu euh, les Chiefs à courir dans la mesure où ils, ils marqueraient un peu moins et toi ça te permet au contraire quand à la balle euh, bah, d'aller marquer rapidement et de prendre une avance au point rapide est ce que c'est un truc qui est envisageable je, je crois que ça n'existe pas de forcer les Chiefs à courir non Non, mais tu peux tu peux euh, si, 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 si tu fais que mettre la pression en permanence sur euh, sur Mahomes alors je sais qu'il est capable de l'absorber de manière importante, mais au bout d'un moment, j'espère, il, il n'est qu'humain. On l'a vu en tout cas face au bronze qu'il pouvait saigner en tout cas. Euh, est-ce que c'est un truc que alors tu dis voilà c'est difficile, mais dans l'absolu, est-ce qu'on pourrait envisager une stratégie comme celle-là Ça me semble plus probable. Raphaël, je te vois hocher la tête aussi. <laughs> Ah, attends, que Grégory allait se lancer là. Bah, il... alors, non mais alors moi je suis. Allez voilà, tout Pop, Non mais alors je sais je sais pas si ça rejoint euh, ta question parce que tu poses des questions puis aujourd'hui Raoul. <laughs> ah, je suis là pour ça. <laughs> non alors une des clés du match euh, à mon sens si je peux le formuler ainsi c'est est-ce qu'on va enfin avoir une défense capable de semer le doute dans la tête de Mahomes. Oui. Parce qu'on l'a globalement oui, ça, peu ouais. vu. Euh, Brady, c'est pas arrivé très souvent non plus. Je veux pas me rappeler de mauvais souvenirs, mais je l'ai vu sur une mi-temps d'un Super Bowl, mais ça a vite changé derrière. Mais, euh, bah, fa forcément, face aux Giants également, mais <laughs> en tout cas, oui, pour l'instant, euh, du, forcément, Mahomes c'est tellement insolent depuis son arrivée dans la ligue qu'on voit pas cette part de doute. Est-ce que la défense des Bugs, de par ce qu'elle nous montre depuis le début des playoffs, peut être capable justement de le faire douter à la passe? Et peut-être justement euh, pousser Andy Reid à changer son fils d'épaule. Ça me fait rire parce que du coup, je vois Alain et Raph qui se marrent déjà. Non, non, non. non. <laughs> Genre, non. il va le faire, non, mais n'importe quoi. <laughs> mais, non. Non, mais voilà, c'est plus, c'est plus dans ce sens-là où j'éterminerai une clé. Mais bon, encore une fois, c'est pour chercher un élément qui pourrait expliquer une possible défaite des, des Chiefs. Mais genre, imagine, alors imaginez, hein, on est on est très loin, mais, mais un, un Super Bowl de Mahomes à la à, à Cam Newton, là mais il y a cinq ans. ans. Ah mais là tu vas tu vas loin là. Ça, ah, ça, ouais, ah, non mais je je, je... Pas que ça va arriver, mais, mais tu sais, Cam Newton, sur toute sa saison, il marchait sur l'eau, il faisait des trucs qu'on qu pensait impossible. Genre, et... imagine Austin Reiter, il fait, un long, il, fait un long, il fait un snap un peu trop haut, safety d'entrée, et là, ouais, oh, là bon. c'est la catastrophe. Ah, bah, le ah, <laughs> le, le, le truc là-dessus, euh, <laughs> c'est effectivement cette question du doute. Euh, bon, elle est, elle, est, elle est dure à mesurer parce que ça veut dire euh, être dans la tête des joueurs, savoir comment les mecs, euh, c'est quand même un truc pas facile à, à, à mesurer, mais. Là où je suis pas bien certain que ça puisse vraiment arriver, c'est quand même. On a vu une équipe de Kansas City qui, notamment dans sa campagne de play victorieuse l'an dernier, était toujours derrière mmh. au score, était mmh. malmenée, 14 points de retard, 17, 20 points, et les mecs paniquent pas, reviennent. Donc c'est toujours pareil. Alors bien sûr, là, si Tampa Bay commence très fort, 14-0, euh, ils font douter, mmh. mais à quel point face à une équipe qui a cette expérience-là, qui a été championne comme ça, à quel point ça va vraiment les faire paniquer je, je pense que les Chiefs paniqueront que s'ils mmh. sont à 15 points de retard à 3 minutes de ouais, la bon. fin. Et, Après, peut-être que c'est donc... encore dit. Hein, c'est robot contre robot. Ah oui, non, mais c'est <laughs> ça. Non, mais par contre, c'est ça. C'est robot commence. contre robot. <laughs> non, mais clairement, par contre, c'est là mais... où ça peut nous laisser un match assez incroyable. C'est qu'on a deux quarterbacks qui, a priori, ne doutent pas. ont mmh. cette capacité à rester serein. Donc là, on va, on va aller, euh, on peut avoir un final. Si c'est serré au score, on peut avoir un finish où les deux équipes pendant 4 minutes se rendent coup pour coup ouais. dans les 4 dernières minutes du match. Hein, Et ça. même au-delà des quarterbacks, euh, on a l'exemple avec Michael Hardman qui provoque un fumble, enfin qui perd un ballon au euh, début de match. Euh, derrière, il fait une course impossible pour aller, euh, il, il marque, je ne crois pas qu'il marque l'objectif, mais il gagne 80 yards d'un coup presque. Euh, c est, c est, voilà, c'est les mecs. Tout le monde dans cette équipe et c'est Mahomes qui va le relancer et Kelsey aussi qui vient leur monter le moral. C'est cette équipe-là a l'air d'être énormément blindée face à l'adversité et ça peut faire la différence sur ce match-là. Alain, tu voulais réagir Oui, j'allais juste dire si je peux me barrer juste pour finir sur, sur ta question de, de tout à l'heure. J'aime bien la défense des Buccaneers. Ils ont une bonne défense, mais c'est pas le niveau des Broncos 2015-2016 ou des Seahawks qui avaient humilié Peyton Manning. C'était des défenses quand même assez all time. Euh, là, on est quand même. Ah, Greg, il est. Bah ben non, ben moi ah, ouais. je dis, moi je dis, faut attendre de voir. Euh, non, mais des... Sans, ouais, sans mais... faire un genre à ils ont quand même joué un rôle énorme sur les deux Alors, derniers attention. donc je te rejoins. Ils sont, ils sont moins. Comment dire si, si tu prends intrinsèquement et individuellement parlant. Oui, forcément, ça fait, moins, ça fait moins, impressionnant, mais ça n'empêche pas qu'ils aient la possibilité de, parce qu'ils montrent encore une fois depuis le début de la saison, notamment sur le run stop, qu'ils soient hyper agressifs de bout en bout mmh. et qu'ils arrivent justement bah, à désarçonner une attaque qu'on pensait euh, désarçonnable. Je, je leur souhaite, mais je pense quand même qu'ils sont un point les, les deux autres avec. Produit des trucs quand même monstrueux sur toute la saison et encore plus le Super Bowl qui avait été leur, leur pinacle complet. C'était des massacres en règle hein, quand même. Euh, si aux Broncos quand ils gagnent, euh, c'est pour, pour les avoir vus sur place, cela c'était quand même pas très très fun. Et, euh, mais après, oui, s'ils arrivent à briser euh, Manning, à briser Mahomes comme ils ont brisé Manning euh, en 2014, waouh! Wow Parce que euh, là pour le coup, c'est vrai qu'ils l'avaient brisé dès le premier snap et il n'y avait pas eu de match. Mais j'ai eu un appui euh, un truc comme ça. Depuis tout à l'heure, on a l'air beaucoup d'essayer de trouver des moyens pour que les Bucks puissent battre les Chiefs. À vous entendre, j'ai l'impression quand même qu on a Kansas City plutôt favori de ce match-là, non bah, C'est pas un secret, je pense. Ouais, c'est pas un secret, ça paraît logique. On a quand même Kansas City, c'est l'équipe avec le meilleur bilan de la saison. Ils sont numéro un de la saison en termes de bilan, ils sont champions en titre. Sans, sans faire. Enfin, euh, ça a quelque part aussi logique de voir Tampa Bay euh, pas favori de ce match. Enfin, moi, ça, je, ça me choque pas du tout. Et, euh, et c'est ce qui va le rendre magique. La, et et d'ailleurs, je pense sincèrement que si c'était pas Tom Brady, le quarterback de Tampa ah Bay, oui. je pense qu'on en parlerait même encore plus défavorablement de ce match-up. Sincèrement. C'est vrai, ouais, ouais. Et qu'il a l'esprit Tom Brady, tout ça. Donc. Je ne veux pas spoiler, mais comme je reçois les pronostics de la rédaction pour l'article qu'on va publier, euh, quand vous allez voir la proportion en faveur des Chiefs par rapport à la proportion en faveur des Buccaneers, je vous préviens d'avance que si les Buccaneers gagnent, les commentaires vont être violents. Hein, C'est ce <laughs> possible. Euh, petite info que j'avais trouvée quand même, la dernière équipe à avoir battu le numéro 1 et le numéro 2 de sa conférence pendant les playoffs, c'était les Ravens, euh, l'année où ils gagnent face aux 49ers en 2012. Flakotai. Euh, bon voilà, les les Buccaneers ont quand même réussi des, des playoffs plus que satisfaisants et convaincants. Je crois quand même qu'aujourd'hui, ils méritent largement cette place-là. Et euh, si les Chiefs sont peut-être un peu favoris, euh, Greg, il y a quand même des arguments en faveur des, des Buccaneers sur ce match-là. Tom Brady, le premier. Euh, Est-ce qu'on en voit d'autres évidents bah Alors, moi, ce que j'allais dire, alors encore une fois, euh, il y aura des clés pour les Box. Oui, je, je le parlais, j'en parlais en effet, peut-être un. Un jeu au sol en tout cas capable de, de, de comment dire d'apporter un peu d'intensité et, et de justement mettre moins de pression sur Brady parce que de toute façon il y aura il y aura forcément cette problématique éventuellement comme on a pu le voir du côté de Green Bay de peut-être être trop dogmatique et te dire à Brady c'est pas grave tu lances profondément et tout si en tout cas ils ont la certitude d'avoir un running back qui répond présent un Lennart Fournette qui poursuit sur, sur, sur sa lancée des des playoffs, il y aura peut-être moyen en effet de proposer un peu plus d'alternance et de glaner des premières tentatives précieuses. En tout cas, si le score leur est favorable. Et c'est aussi pour ça que, que enfin, moi j'avais identifié une, une autre clé, si tu me permets. Enfin, je passe si tellement enchaîné C'est te bien c'est le but. Mais J'en avais parlé notamment lors du match de Tampa euh, du côté de, de Green Bay, euh, le fait notamment qu'ils avaient très très bien démarré et que j'avais très peur justement si le score leur était défavorable assez rapidement que ça tourne un petit peu au vinaigre. Pour moi, c'est un peu la même logique. Alors, c'est vrai que Kansas City, euh, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. On connaît leur parcours de l'année dernière en play -off. Le Super Bowl en lui-même, ils étaient quand même. Euh, on les a donnés donné morts pardon, pendant un certain moment dans le match. Euh, tellement ils avaient l'air en, mmh. en, en difficulté et il y a eu cette, cette fameuse euh, euh, longue passe pour, pour Tyreek Hill qui a changé le momentum et c'était un petit peu compliqué. J'ai dû réécrire tout mon papier à ce moment-là. Voilà euh, et en tout cas voilà une des clés pour moi que j'avais identifié. Je serais vraiment pas étonné si celui s'il y a on va dire un écart assez conséquent qui se creuse dès le début du match. Je pense au moins à deux TD d'écart. Je ne serais pas étonné que celui qui mène au score gagne le match. C'est ma sensation en tout cas, mais même je si, pense que pour moi ça doit être si un C'est pas les Chiefs. Quoi. Euh, Après, moi euh, là où ça me fait peur pour le coup, pour le scénario de ce match, c'est qu'on a vu quand même que les Chiefs, quand ils ont voulu rentrer sur certains matchs très concentrés dès le début, euh, ils ont explosé les portes du saloon, ils n'ont pas fait gaffe à qui il y avait derrière mmh. et c'était fini. Hein. C'est ça, bah, Tampa euh, pas, pas notamment bien sûr. Hein. Mais voilà, donc non, dont Tampa Bay en effet. Euh, donc, comme ils se sont beaucoup fait surprendre en playoff l'an dernier. Euh, je sais pas, je serais, je serais pas étonné. C'est facile à dire, évidemment, c'est une équipe très forte que euh, ils rentrent tambour battant dans ce match, qu'ils en collent deux ou trois à la suite et, euh, et que, en effet, on est une soirée finalement euh, tranquille pour eux. Donc pas de motif d'espoir pour, euh, pour ah, si, si, ah, non. si, Attention, attention. Non, non, non. Non, ah, non. Oh, Alors attention. Euh, moi, si tu veux, je l'ai marqué d'ailleurs dans le papier des pronos de la rédaction. Bah, C'est-à-dire que j'ai marqué que je pronostiquais les Chiefs. Comme ça, je te donne mon pronostic tout de suite. Euh, Allez. Mais j'ai aussi... aussi marqué. Euh, j'ai déjà pronostiqué contre Tom Brady et je m'en suis voulu. Et je pense que ça se trouve, je vais encore m'en vouloir parce qu'il y a Tom Brady. Il y a une très bonne défense. La défense elle est sur... supérieure quand même du côté de Tampa sur pas mal de niveaux. Ils ont l'avantage probablement sur le jeu au sol, sur la ligne offensive. Euh, ils ont plein d'avantages. Mmh. Donc, c'est un match serré hein, pour, pour moi. c'est pas euh, je, suis, je dis c'était un scénario que je donnais. Je suis pas sûr que Kansas City explose les portes du Saloon encore une fois sur ce match-là, d'autant qu'il y a l'expérience du match de la saison régulière. Non, ça, ça peut être un match serré. Il euh, y a Brady en phase. Brady, euh... En fait, il n'y a pas de motif de désespoir pour les Chiefs, plutôt. Ni pour l'un, ni pour l'autre. tu vois <laughs> que, que une... Je n'ai pas l'impression qu'il y une… Je pense pas que ce match, il soit… On, je pense qu'on en a fait des previews où c'était plus déséquilibré euh, en 10 ans d'émission sur des Super Bowls, mmh. je veux dire. Euh, j'ai plus tu vois, confiance de mémoire. Hein. Je pense que j'ai plus confiance cette année. Oh, je crois que l'an dernier, je sais plus qui en avait donné, mais euh, ça me semble oui, on plus c'est vrai que l'an dernier. Ouais. Ouais. Je me rappelle de une euh, ou deux euh, Giants Patriots un peu plus déséquilibrés voilà, sur le papier. Sur le papier. Voilà, mais, euh, mais voilà, il y en a quelques-uns. Euh. Donc, non, mais je peux pas m'empêcher de. De, de, de pronostiquer Kansas City parce qu'ils ont l'air tellement forts que. Bah, et puis, et puis c'est ça, alors, excuse-moi, je te coupe Alain, je suis désolé, mais euh, c'est mine de rien, quand tu regardes d'autres secteurs éventuellement dont on n'a pas vraiment parlé, c'est vrai que les équipes spéciales, j'aurais plus tendance à donner l'ascendant à un Michael Hardman qu'à un Jaden Mickens. Euh, mm -hmm. Du côté de Tampa, si on parle uniquement de la phase de retour, hein, mais même au niveau des buteurs je pense qu'il y a un, rien de Suckup, il, il me semble, à Tampa. Ouais. Je pense que mm -hmm. Suckup et Butker, ça se vaut quand même. Hein, et encore, Butker, il est quand même plus que solide. Euh, de euh, globalement cas, depuis qu'il est à Kansas nom. City. Euh, donc, euh, et puis, euh, en termes de coaching, Andirid, on, on sait qu'il est capable d'aller oui, au bout, oui. même s'il a eu une longue malédiction sur ses épaules. Oui. Bon, ça pour l'instant. Alors, on dira qu'il a gagné un Super Bowl en tant que coordinateur offensif chez les Steelers, ce qui est une réalité. Euh, mais en tant que head coach, pour l'instant, il s'est arrêté en finale de conférence avec, euh, avec Arizona jusqu'à jusqu jusqu cette année. Donc, euh, on ne connaît pas encore la, sa capacité, en effet, à gérer un événement d'une telle ampleur, même s'il n'en est pas à son coup d'essai, même si c'est un des, des, des head coachs les plus expérimentés de la ligue. Et puis, tu vois, alors, je me permets la comparaison, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, qu'on me pardonne les amateurs de basket, mais tu vois, là, on est en train de dire, ouais, les Tampa, ils ont ça, Tampa, ils ont ça, Tampa, ils ont ça. Mais les Chiefs, en gros, ils ont Michael Jordan et Phil Jackson, quoi. Donc, euh, tu vois, bah, ils ont Patrick Mahomes, ils ont Andy Reid, tu vois, ils sont supérieurs largement sur ces deux trucs-là. J'entends hein, je je ce que tu dis. Je dis ça parce que, que tu voulais dire, dire LeBron James, du Je, coup, dis, ça, je ouais. dis ça parce que tu dis l'expérience, etc., par rapport oui, oui, à l'autre. Oui, oui. Donc encore une fois, hein, c'est pas une comparaison parfaite du tout. Euh, me sort là en deux secondes. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'à une époque, quand tu regardais un match des Bulls, tu disais, bah ouais, mais bon, le meneur, c'est Jim Paxson en face. Il y a Magic Johnson et tout, ouais, mais il y a Michael Jordan, quoi. Et donc au bout d'un moment, tu pronostiques Michael Jordan. Donc je pronostique les Chiefs. Euh, on ne l'a pas du tout mentionné, mais parce qu'on n'a pas d'élément de comparaison, est-ce que l'avantage à domicile peut jouer sur ce match-là, après vous, quand bien même il n'y a pas de public ou quoi, mais d'avoir été chez toi, de t'être entraîné dans des locaux que tu connais est-ce que Je me permets de retourner la question à Raoul, tu es allé au Super Bowl l'an dernier, est-ce que tu as vu beaucoup de supporters euh, De supporters euh, des équipes euh, incriminées euh, Qui étaient présentes ouais. Ah, bah oui, oui, oui. Ah, ah bon alors, si, ouais aussi, moi j'ai vu de supporters de des, Niners que des, que des Chiefs. Euh, hmm plus des Chiefs, quand même. Moi, j'avais l'impression de surtout voir des ouais, ouais, chips ouais. et bourrés quand j'allais au super. Ouais, Go, pareil. Mais... <laughs> Je me <Ouais>. suis fait. <laughs> ah, ouais. bah, alors, non. Alors, alors, peut-être que euh, Miami, en l'occurrence. Dans euh, le à stade? Miami Beach. Euh... Ah, bah, non. Ouais, dans le stade. Oui, c'était l'un ou l'autre. Hein. De toute façon, ils étaient rouges. Ouais. Hein, donc, tu voyais que du oh, rouge ouais. partout. Okay. C'était un peu casse oh, mais... ça. Okay. Mais. Et alors, je vous assure, et dans Miami, plutôt Miami Beach, en l'occurrence, peut-être il cristallise un peu toute l'arrivée des touristes du côté de Miami. C'est vrai que, oui, oui, je voyais énormément de fans de deux équipes, en tout cas. Attends, moi le sou... ouais. Pardon, j'allais dire, moi, le seul souvenir de Super Bowl qui me reste de supporter, c'est quand il euh, y a une jeune fille de bonne famille, tu sais, style pull sur les épaules et tout, qui s'est retournée vers moi en me gueulant C'est ma quatrième bière <rire> <rire> Après, après, C'était où ça C'était à San Francisco dans la tribune de presse. Elle était juste devant, je sais pas pourquoi. Elle était de très bonne humeur. Et euh... <laughs> non, quatrième, contre... Je quatrième, je me rappelle plus du compte exact, mais par elle avait sa bière euh... à la main. Elle était très heureuse. J'en avais parlé il y a deux ans à Atlanta. Il y avait quand même eu un publicitaire un assez énorme des fans des Pats du côté de du côté de la Georgie. Hmm. Donc, est-ce que l'effet Brady peut, peut aussi insuffler euh, ouais, enfin, après... on, on parle d'un enfin... stade où il va y avoir 22 000 personnes oui, en plus. Ouais, ouais 7500, mais bon, il y a toujours euh, un peu plus dans. C est, c est, c est, 22 000. C'est toujours pareil. S'ils euh... sont 22 000 avec 20 000 supporters des Bucks, je caricature alors, volontairement. Ouais. Ouais. Chez les Bills, il y avait du ouais. bruit, hein, alors bah, que c'était pas beaucoup plus. C'est 22 avec 7500 personnels soignants en Ouais, ouais, tu vois, que, que, il il y les effets ouais. secondaires du vaccin, ça ils vont être euh, ils, ils, vont, vont ils vont applaudir vont les trans. belles actions, <laughs> je suis pas sûr qu'ils essayent de faire du bruit pendant le snap et les communications entre le quarterback et son sang Enfin bon moi, Non je, non mais je... c'est sûr c'est sûr que c'est pas cette année en effet Là pour le coup pour une oh, fois qu'on a une fille qui accueille hein, le euh... Super Bowl c'est pas forcément cette année où mmh. ce sera le ce sera le, le le plus marquant en effet de par le ouais, nombre pas, de personnes euh... qui seront là mais bon après oui éventuellement du côté de Tampa on pourra toujours se dire qu'il y aura peut-être un peu plus de supporters mais bon non mais moi je pense que c'est surtout en termes de préparation mais bon vous n'avez pas l'air ouais. 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 de croire que ça change beaucoup euh, ben messieurs est-ce que vous voyez d'autres clés du match ou alors on passe au prono c'est dommage, dommage qu'il n'y ait pas de Josh Allen, parce que sinon, j'aurais déjà trouvé une clé, si je, suis, je suis un peu... Oh, oh là là. <laughs> tu pouvais te moquer de la tribu de Dana. Ouais, c'est bien là, vrai. Là, t'es carrément allé chercher un joueur d'une équipe qui jouait pas, quoi. C'est ouais. euh, ah bah, euh... une équipe qui a joué la finale de conférence <laughs> et qui est si loin que ça. On, Bref. On, on, on met pas... On met un... un non, on bah, va peut être un jingle ah, on, on a pour de minutes de façon... Bon, allez, monsieur, euh, les pronos, du coup, euh, Alain a déjà spoil, spoilé Six. le sien. Je vous donne quand même les scores, puisque euh, on le savait déjà, mais Alain a gagné euh, euh, le concours de pronostics cette année, aujourd'hui il est à 197 points avant le Super Bowl euh, Raphaël sera deuxième, ça s'est acté aussi aujourd'hui il a 185 points, en revanche derrière tout est possible, je suis à 182, Greg est à 181 et Camille à 180 ça n'a pas changé mais, je mets de la, la petite sûr. musique pour, euh, pour fêter ça bon ce sera un strike voilà. Youtube hein, mais euh... voilà et on embrasse <laughs> nos amis du DMCA Attends. Euh... <rire> <rire> oh, on sort docteur allemand quoi Bref, c'était naze euh, et on s'est fait striker <laughs> pour rien. <laughs> Merci. Oh, tu pourras toujours couper au montage. Euh, donc, oui, je voulais vous dire, euh, la semaine dernière, on a tous pronostiqué les mêmes choses. Donc, les positions n'ont pas évolué. Dans l'ordre, euh, Alain a donné les Chiefs. Raphaël, qui pronostiques-tu Eh ben, écoute, hein, je vais rester fidèle à mon prono d'avant-saison qui était un doublé des Chiefs. Euh, je reste là-dessus parce que je. Je pense, et Alain le disait, on a, fait des, on a fait des previews plus déséquilibrés que ça, et d'ailleurs, même sur le papier, les Tampa Bay pourraient avoir l'avantage sur plein de postes, même peut-être plus que, que parfois dans d'autres previews. Mais je pense, alors et je vous invite à lire le, le papier que j'ai fait, le flashback de la saison des Chiefs. Je finis le papier en disant que je pense que les Chiefs sont un trio inarrêtable avec Mahomes, Hill et Kelsey. Et je pense que c'est encore une fois ce qui va les porter euh, vers la victoire. Et tu vois, on en revient à Jordan, Rodman et Pippen. <laughs> le trio. <laughs> ouais, De je ne sais De pas Gaël. si je, insiste, je, je pas, du, pas aller jusque-là encore. Mais non, euh, non c'est bon, je... pourri, t'en fais pas. <laughs> tu peux, on, on la laisse. Euh... Le suivant, donc dans le classement, c'est à moi de choisir. Je vais prendre les Chiefs également. Euh, je pense qu'ils sont impossibles ou presque à sortir du match et que tant qu'ils sont dans le match, euh, ils sont euh, capables d'aller le remporter. Je ne vois pas dans quel scénario euh, c'est complètement foutu pour eux. Et dans ces moments-là, j'ai plutôt tendance à croire que Brady, euh, pas du tout Brady, justement, <laughs> Mahomes. Bah, ça, c'est l'habitude. Il hein, va falloir s'y habituer pour les dix prochaines années, on espère. Mahomes va aller gagner le match. C'est ma conviction. Grégory, ton pronostic. Oh, c'est pas juste votre truc parce que du coup Camille va jouer l'inverse de ce que j'ai mis, putain. Bah euh... c'est normal hein, c'est le jeu Bon allez vraiment parce qu'il faut faire un clin d'œil à cette saison donc je dirais les béga mais il des failles. Oh il s'est rangé, <laughs> il s'est rangé <laughs> Je l'attendais. Du coup, bah, c'est bien, c'est le titre du podcast. Les Chiefs, mais il y a des failles. Les Chiefs, mais il y a des failles. Pas mal, ça, c'est bien ça. Ouais. Euh, ouais, donc ça veut dire que euh, tu ne me dépasseras a priori pas au classement, mais oh. Camille pourra toujours pronostiquer oui. les Buccaneers et passer et dans si... le deux Mais alors comment on fait dans ce cas-là et, si et si Camille le fait, je précise qu'il doit penser au fait qu'il va quand même pronostiquer pour le mec qui lui a volé le Super Bowl 49. Donc réfléchis bien Camille, <laughs> c'est quand même mieux de mettre ton de Est-ce que sinon <laughs> le titre du coup Super Bowl, la grande preview des haters de Brady parce que là du coup on va tous pronostiquer <laughs> <DJ> les Chiefs. <laughs> euh... J'ai un respect sans faille pour ce que fait Tom Brady, je ne suis pas un hater, je prends aussi contre lui parce que Mahomes est mieux armé et mieux équipé sur ce match-là, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on va euh... prendre, si non mais Qu'est-ce que, pardon, du coup, les tiebreakers, parce que si Camille pronostique les Bucks et qu'il gagne, ça fait 182 pour lui et pour moi. Euh, comment Je on sais, fait on fout. Je non, sais plus de mais en fait même temps, 3e. vous n'avez pas la difficulté. Ah, ouais, ouais, Je veux ou pas, pas finir pas juste dernier. <laughs> Est-ce que tu est as. Euh, il n'y a pas de. pas tout. faire les scores Comment faire les scores Allez, tant qu'à faire. Euh, pour info, d'ailleurs, euh, ah, j'en profite oui. pour dire qu'on a fait une super année tous, euh, puisque l'an dernier, on avait en moyenne euh, une vingtaine de points en moins, euh, allez, 10 à 15, euh, 15 à 20 points en moins euh, chacun sur les pronos. Donc mmh. bravo à tous, messieurs. Euh, elle, très elle, belle. Est, elle, est, elle est ouf, hein, la différence. Euh, des, des, tu les as, les scores exacts oui, c'est ça. Eh, ouais, l'an dernier, tu as 174 donc, plus 23 là, avant ouais. le Super Bowl, donc éventuellement plus euh, 25. Je, euh... si je... T'as vu, je vais louper les 200 ouais. points de 1 point si je gagne. Je suis deg. Ouais, c'est con, hein. Sans doute parce qu'une fois, t'as pas pris les Chargers. Bien ça fait. doit être ça. Euh... <laughs> gratuite, la violence gratuite. Ou la fois de trop, les, les Falcons. Plutôt, ouais, les Falcons mais... qu'on <laughs> tuer. Ouais, ouais. Je Alors ça, si, ouais. hein. si Grégory est encore à ce point au niveau des classements aussi proches, c'est vraiment que les Falcons se sont fait à l'envers. Mais bon. <laughs> euh euh... Qu'est-ce qu'on a à dire Oui, les, les scores, eh ben, on peut pronostiquer les scores si vous voulez. Euh, dans ce cas-là, euh, ben, Alain, est-ce qu'on est qu donne un score ou un écart de points oh, un score. Parce que score, euh, on ne sait jamais on trop. Un... Oh, eh ben, alors allons-y. Alain, ton score, c'est parti. -ce J'ai dit Kansas City 34-27. Raphaël, ouais, je vois le 38-0 dans ce Raphaël. Là, c'est marrant parce que j'avais euh, aussi 34 pour les chiffres, donc ça m'a fait sourire. Mais euh, mm. moi, je suis plutôt sur un 34-21. Mm. Ah d'accord. Euh, euh, moi, je vais dire... Euh, j'avais essayé euh, avec des amis on en fait un, un, un truc où on donne plein d'éléments euh, du match qui va, qui va faire quel premier truc euh, qui va marquer en premier machin et tout et le nombre de points à la fin j'ai mis 67 points du coup j'essaie de trouver un score qui peut faire 67 points euh, et dans ma tête c'est 34 33 euh, parce qu'il y a la fin il y en a un qui tente un, un, une conversion en deux points. pas mal hein ouais et eh ouais. bah, eh bah du coup je vais rester là-dessus 34 33 en faveur des Chiefs euh, ouais ça me paraît super gaffe. beau l'all time ah bah ce serait trop beau alors moi j'irai avec un 31-28 pour Kansas City et juste alors je précise pour ceux qui nous écouteraient euh, parmi les haters de Brady, euh, moi j'ai une excuse parce que Tampa <laughs> ils sont NFC Sud. <laughs> les autres c'est pas leur cas. Donc, euh, Mais voilà, là, vrai, euh, moi je pourrais. À dire c'est les chiefs hein. Mais tu, tu sais qu'on en plaisante, mais en vrai, moi je, je, je vais l'avouer, j'aimerais bien une Brady Gang parce que c'est un truc, ce serait un truc historique de ouf quoi, qui ah bah soit oui, passé oui, comme ça, ce serait incroyable. J'ai trop j'ai trop envie qu'il gagne. D'ailleurs ça commence déjà à tailler. Euh, je Spoil mais il va y avoir un article sur le site là. Il y a Daniel Mendola qui a balancé un truc en interview du genre euh, ouais tout le monde parle du Patriots Way, euh, mais c'est Tom Brady qui était sur le terrain, c'est plutôt la Brady Way euh, et elle est partie avec lui quoi. Donc euh, ça balance des headshots très très violents hein, du côté de New England en ce moment. <laughs> Non, mais ça dis. va être ça va être très très euh, hypant ce match là euh, ben voilà messieurs c'est comme ça que va se terminer l'épisode 408 du podcast Touchdown Actu merci de nous avoir suivis. vous pouvez retrouver le site bien sûr sur les réseaux sociaux on est sur TD Actu sur Twitter et Facebook Touchdown Actu en entier sur Instagram pour le site avec les news les résumés les chroniques c'est TD Actu Point com. Vous pouvez retrouver toute l'équipe sur Twitter. Alain, c'est Alain Matei. Raphaël, c'est Raphaël. Raphaël, pardon, underscore TDA. Et Grégory, c'est at Yallo Radio ça, tout attaché. Et moi, c'est at Raoul VDG. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui nous soutiennent déjà. D'autant que Alain Matei, petit teaser, peut-être, il, il y a des a... nouvelles contreparties qui arrivent. Il y a une nouvelle contrepartie encore liée à l'alcool qui arrive <laughs> après, le... après le Super Bowl. Normalement, je <laughs> n'ose pas les annoncer tant que je ne les ai pas reçus et que je n'ai pas vérifié. Que tout tout est bien propre et tout. Mais il y a normalement une nouvelle contrepartie qui arrive. Je, je dis encore lié à l'alcool parce que... Je veux pas balancer, mais je crois que c'est les sous qui marchent le mieux dans les contreparties. J'en envoie beaucoup. J'en vois beaucoup de sous <laughs> Confinement, confinement. Euh, il faut bien qu'on trouve des activités. Euh, Monsieur, ah oui d'ailleurs, et Alain, pendant que tu es là, on en profite également pour euh, vous parler du prochain fauteuil qui sera dimanche à 21 h pour trois heures d'émission, un fauteuil exceptionnel. Euh, Alain, tu seras euh, accompagné j'imagine Eh ben écoute, euh, Raphaël et Grégory ici présents seront soit physiquement avec moi euh Jean Castex euh, le per permettant, euh, mmh. disons ça. Ah, on, euh... on peut le dire que tu as fait un gros forcing auprès du, du Premier ministre Mais pour, pour qu'il qu rentre marche l'échéance ouais. le plus ah, possible. Attention, oh. Conseil de, conseil de mercredi, défense annoncé ouais. mercredi. Moi, moi j'ai perdu de l'influence à partir du moment où Edouard Philippe est parti parce que c'était un Normand en moins au ah, gouvernement. Parce qu'on avait le bras long à ce moment-là. Et pourtant, c'est un vrai. Apparemment, la connexion basse Haute-Normandie se faisait. ça allait. Allez, je veux dire, on on s'entend quand même, tu vois, ça reste ah, le ça 76. Commun, euh, voilà. ça, ça reste le 76, donc voilà. Mais euh, là, c'est sûr qu'avec Jean Castex, au niveau de l'accent, on se comprend moins. Euh, <laughs> donc je sais pas combien de temps je vais pouvoir le retenir. Euh, et c'est ce que disait Raoul. Donc euh, Trois heures, ça c'est sûr. Euh, s'il y a euh, s'il y a pas confinement, on est ensemble. S'il y a confinement, et eh ben soit on voit, euh, soit on refait une soirée comme on a fait, donc le fauteuil freestyle avec tout le monde en visio. Euh, soit je me fais trois heures d'improvisation totale tout seul sur un canapé. Euh, en tout soit... cas, il y aura. Mais Alain il y a un qui sera là sur vos écrans dimanche à 21h jusqu'au coup d'envoi. Je dis minuit 40 tout à l'heure, c'est minuit 30. Ouais. Mais en fait, euh, c'est minuit 30. Euh, c'est quoi C'est l'hymne à minuit 30, donc ça commence ouais. à 40. Ouais. Oh, mais 23h30, ça, à 30, alors on le direct c'est bah, incroyable. On, on tape sur 21h minuit normalement. Après, on verra si on improvise. <laughs> ouais, Et si euh... à minuit on est encore chaud. Euh... Il a failli griller ton truc. Jusqu'à la mi-temps du Super ouais, Bowl, 21h, <laughs> 2h du matin avec chaud. <laughs> avec karaoke, avec des week-end. Et Grégory qui t'apprend ah, au rythme. C'est toi qui as mis du du tu tout c'est ça. Non, mais les, les Ce gens. Le podcast veulent... devient complètement fou. Les, mais les gens veulent voir Greg taper en rythme sur le show de mi-temps. Ouais, ouais. Parce que j'ai un rythme. <laughs> fou, il faut le savoir. Aïe, aïe, Donc, oui, 21h30. Bon en... Voilà. 21h minuit, et on va conclure cet épisode qui n'a déjà duré que trop longtemps. Mais c'était un plaisir immense de vous avoir tous les trois. Merci beaucoup, messieurs. Euh, très, très bon Super Bowl à toutes et à tous. Profitez-en à fond. Euh, on espère et on aura, j'en suis sûr, un match dantesque, d'anthologie, et euh, duquel on se souviendra pendant longtemps. Hein, si vous vous souvenez, ce match qu'on a regardé pendant le confinement, c'était trop beau. Euh, merci encore. Et abonnez-vous à tout sur TouchDonactu et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Très bonne semaine à toutes et à tous. Ciao et bisous. Les meilleures analyses, fromage et je de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, t'as gâté les meilleures recettes en TD. Pour JJ Watt, Bismo pour Marshall Lynch, global Globel Vecam, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocale